Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre événement, notre petite live event de 30 minutes qui va parler d'Examarine. Et donc, je vous souhaite encore la bienvenue. Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Et j'espère que vous êtes bien installés parce que on va aller très rapidement. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit programme très rapide et très évasif et très direct. Et on aura quand même le temps d'échanger et quand même on pourra répondre aussi à des questions. Et donc, sans plus tarder, je me lance. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Getting Started with Xamarin Forms. En fait, Xamarin Forms, c'est le développement mobile. On va parler d'Examarine Forms plus principalement. Moi, je m'appelle Erdine Tambwe et je suis Beta Microsoft Learn Student Ambassador. Et c'est moi qui vais vous présenter cette petite présentation. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Donc, je vous donne un petit planning. On va faire la présentation de Xamarin Forms. On va présenter des outils. Je vais donner quelques liens utiles, une petite démonstration, et puis on va répondre à des questions-réponses. Alors, commençons déjà sans plus tarder. Alors, qu'est-ce que Xamarin Forms? Xamarin Forms est une plateforme open source qui permet au fait de générer des applications modernes, donc que ce soit iOS, Android et Windows Phone. Donc, il est multiplateforme. Donc, on fait du cross-platform. Donc, on peut faire du iOS, Android et Windows Phone avec juste le framework .NET. Xamarin, il permet aux développeurs de partager 90% de leur code d'application, c'est-à-dire vous écrivez une fois un code et vous le partagez sur toutes les applications, que ce soit sur Android, iOS et Windows Phone. Et donc, 90% de code est partagé en partant d'abord de Xamarin, qui est une plateforme qui utilise le framework .NET et qui utilise un langage qu'on appelle le C#. Donc, vous pouvez écrire du code très performant avec une apparence et une convivialité très natifs sur chaque plateforme. C'est-à-dire, vous écrivez une fois un code et sur chaque plateforme, il sera très natif. Alors, on va un peu voir comment est-ce que on peut faire du Xamarin Forms. Avec quel outil? Qu'est-ce qui me permettrait de faire du Xamarin Forms? Parce que je ne sais pas si je me lève le matin, je prends un bloc-notes et je commence à faire du Xamarin Forms. Alors, vous aurez besoin des outils tels que Visual Studio. Alors, il y a plusieurs Visual Studio. Il y a Visual Studio Entreprise et Visual Studio Community. Donc, vous n'avez qu'à choisir. À vous de voir. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code qui est très adapté sur Windows et sur Mac et sur Linux. Donc, il est très facile et vous utilisez juste des extensions pour pouvoir coder très rapidement. Vous pouvez aussi utiliser Rider de chez JetBrains. Rider, vous pouvez écrire du code Xamarin natif avec votre. Si vous avez un abonnement JetBrains, vous pouvez utiliser Rider. Et donc, ces outils vous permettraient d'utiliser très rapidement et de développer très rapidement vos applications Android, iOS ou Windows Phone. Donc, qu'est-ce qui nous empêche alors d'essayer? Moi, dans la démo que je vais vous faire, je vais plutôt utiliser Visual Studio Entreprise, mais cela dépend de vous. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou Rider, ou si vous connaissez un outil que moi je ne connais pas, vous pouvez toujours le mettre en commentaire dans les commentaires, ça me fera plaisir et j'oublierai pas de vous contacter. Et donc, les liens utiles. Qu'est-ce qui nous permettrait d'écrire nos propres applications, nos applications? Alors, pour des liens utiles, pour commencer, nous allons commencer par exemple avec la documentation elle-même de Xamarin qui est sur Microsoft Doc. Et donc là, vous aurez tout. Et donc, je vais faire une petite démo où je vais vous montrer chaque lien. Donc, je montrerai quel est le lien de Xamarin Documentation. Donc, sans plus tarder, je peux commencer. Alors, sur la documentation de Microsoft, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Alors, tout et tout. Et donc, voilà, il s'ouvre. Alors, la documentation Xamarin. Ah, elle est très belle, hein. Alors, vous pouvez la mettre en français ou en anglais. Moi, je la préfère en anglais parce que je vais plus rapidement. Alors, si vous voulez débuter, on vous montre comment installer,
Qu'est-ce que Xamarin? Quelle est la documentation? Donc, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Si vous êtes sur Android, sur iOS ou sur Mac, et etc. Donc, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Créer un fichier, un layout, qu'est-ce que c'est? Donc, ils vous disent tout ce. Donc, ici, vous trouvez tout. Le deuxième lien très utile, c'est celui de Stack Overflow. Je suis sûr que tout le monde connaît Stack Overflow. Là, si vous avez un bug ou un problème, vous pouvez aller sur Stack Overflow. Et vous pouvez poser votre problème et il y aura des gens qui vont essayer de vous répondre. Et donc, Stack Overflow est carrément gratuit. Je ne me suis pas logué. Je peux me login. Bon, ce n'est pas intéressant. Donc, Stack Overflow, c'est une plateforme où vous venez poser vos questions, vous répondez aux questions des autres. Et donc, vous aurez toutes les réponses si vous êtes bloqué sur un projet, sur quelque chose. Alors, c'est une fiction, j'ai demandé l'autorisation, mais je ne l'ai pas encore eu, donc je ne peux pas le présenter. Mais cette fiction est aussi très intéressant. Là, vous pouvez tout avoir aussi. Mais bon, je ne lui parlerai pas. Vous pouvez aussi partir sur la communauté des développeurs Xamarin. Là, c'est aussi très intéressant. Et donc là, c'est une communauté que des gens qui codent en Xamarin. Xamarin, Xamarin From, Xamarin Native et tout. Donc, vous posez votre problème. Vous aurez une solution dans la minute qui vient. Et donc, Xamarin Community est très bien aussi. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui parlent. Xamarin AOS, ils posent leurs problèmes et tout. Donc, vous n'allez jamais manquer une communauté pour vous aider une fois que vous avez un souci. Et donc, Xamarin aussi a une très grande communauté. Une très grande communauté. Et donc, ici, j'ai dit etc. parce qu'il y a aussi d'autres sites que je n'ai pas pu citer, mais qui ne m'en tiennent pas rigueur. Je ne pourrais pas tout énumérer. Il y en a beaucoup, alors beaucoup. Et vous aurez vos problèmes. Vous n'allez jamais avoir des problèmes dans Xamarin. Tous vos problèmes sont réglés sur Internet ou à un ami. Alors, la communauté est vraiment active. Alors, nous allons passer à notre petite démonstration. Alors, je suis parti très rapidement en besogne parce que je pourrais prendre toute une journée à vous expliquer cela, mais vous savez vous-même que le temps nous est compté et la démonstration est toujours plus utile que les paroles. Donc, alors, moi j'ai utilisé Visual Studio Enterprise, comme vous le voyez. Alors, mon Visual Studio Enterprise, vous n'avez qu'à créer un projet. Et comme ça, j'essaie d'expliquer plus en détail. Nous allons créer un projet. Alors, nous allons créer un projet Xamarin Forms. Ce projet nous permettra des applications mobiles, Android ou iOS. Alors, moi, je prends Xamarin Forms. Vous choisissez Xamarin Forms. Vous faites Next. Après cela, vous choisissez le nom de votre application. Je vais dire Démo. Je l'appelle démo pour ne pas aller. Et j'ai dit create. Alors, je crée mon projet Xamarin Forms. Alors, ce projet, on va faire juste un petit projet très basique qui nous dit hello world. Comme tout le monde aime faire du hello world. Alors, regardez ce qu'il nous propose. New mobile application. Select temple for your app. Donc, je peux choisir un type de projet que je vais implémenter. C'est-à-dire un Flay Layout, un Tabit, vous voyez directement, il vous montre que ça sera avec ici, ou bien un Blank. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, un Blank. Je pense qu'il a... Donc, un Flay Layout, un Tabit Page, ou bien une application vide. Donc, nous, on prend une application vide. Et on peut choisir quel genre de plateforme on veut cibler? Android, iOS ou Windows, UWP. Alors nous, on prend les deux. Ok, je pense que c'était ça le problème. Il fallait que je donne l'autorisation à Xamarin. Voilà. Donc nous, on prend que les deux plateformes, Android et iOS. Et puis j'ai dit Create. Alors là, il est en train de me créer mon petit projet. Il me génère tout, il me met toutes les dépendances, tout ce qu'il y a à mettre pour que mon projet puisse compiler et démarrer sur un téléphone
pour qu'il puisse se compiler sur un téléphone. Et alors, il y a sûrement un problème. Comment alors je vais voir que mon application passe? Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez un téléphone physique, donc votre propre téléphone. Si vous avez un Samsung, par exemple, un Android, vous pouvez l'utiliser pour compiler directement sur votre téléphone. Ou si vous avez un Mac et un iOS, vous pouvez directement compiler sur iOS. Alors, il y a ces petits problèmes. Si vous êtes sur Windows et que vous avez un téléphone iOS, alors il y aura un petit problème pour compiler votre projet. Donc, quand vous avez un Windows, c'est mieux d'avoir un téléphone Android pour compiler. Mais il y a moyen de compiler sur un téléphone iOS en connectant votre ordinateur Windows à un MacBook, un Mac. Donc, vous pouvez directement connecter et sur ces PC que vous allez commencer à compiler, mais en étant directement sur votre Windows. Mais si vous êtes sur Mac, vous pouvez compiler des applications Windows et iOS directement. C'est ça l'avantage d'avoir un Mac. Et donc, comme on est sur Windows, on va compiler sur notre propre téléphone. Alors, aussi une autre question, sûrement que les gens vont poser, mais comment on va voir que l'application a tourné? Alors, il y a une petite application que j'ai trouvée, bon, on m'avait proposé, qui s'appelle... Attendez, je vais vous montrer qui est dans mes logiciels. Voilà, ça s'appelle SCRP. Il est très facile à utiliser. Alors, comment il fonctionne? Ce petit logiciel vous permet de compiler, de voir votre téléphone sur votre ordinateur. Alors, comment je vais vous montrer ça? Regardez. Une fois que je le lance, vous aurez directement mon téléphone sur l'écran du PC. C'est-à-dire, il fait une extension de votre téléphone, mais vous l'avez sur votre écran. Et comme ça, vous compilez et vous voyez directement ce qui se passe. Alors, je le lance. Voilà, il est là. Et donc là, oh, j'ai lancé deux fois. Téléphone, c'est pas un émulateur. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un émulateur ou si vous voulez, vous utilisez votre propre téléphone. Et donc là, moi, j'utilise directement mon téléphone physique. Donc, c'est un petit logiciel. Vous pouvez aller les chercher. Je mettrai le lien pour le télécharger dans les commentaires. Ne vous gênez pas à le télécharger. Et donc, j'ai mon téléphone ici. Ni de me générer mon code, mon projet. Regardez un peu ce qu'il fait. Il crée un premier projet qui s'appelle Démo, un deuxième qui s'appelle Démo.Android et un troisième Démo.iOS. Donc, il me génère les deux plateformes. Et si vous faites plus attention sur Android, vous verrez que Android est en gras parce qu'il reconnaît directement que je suis sur un Windows, donc mon téléphone directement, c'est un Android. Le projet qui va être compilé, c'est celui d'Android. Et donc, je peux directement dire, par exemple, que c'est un Mac, c'est mon projet iOS que je veux que tu compiles, je dis seulement cette démo. Mais bon, comme je n'ai pas un Mac, un Mac, donc je préfère aller sur Android. Alors, je vais vous montrer un peu la structure du projet. Elle est très simple, en fait. Hein. Comme on a dit, elle partage 90% de code sur les plateformes. Alors, quel code elle partage? Ici, dependencies, ça, ce sont les dépendances du projet. Nous voyons qu'il y a .NET Standard, Library, Xamarin Essential et Xamarin Forms. Prochainement, je parlerai plus en détail de Xamarin Essential. C'est très, très intéressant, mais faute de temps, on ne va pas entrer en détail. Nous avons aussi, ici, il génère un fichier qui s'appelle app.xaml. Et quand on les déroule, on voit qu'il y a encore app.xaml.cs. Waouh, bizarre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est app? App.xaml, c'est, je peux dire, le fichier .xaml, ce sont les interfaces. Plus simplement, j'ai dit que ce sont les interfaces. Mais les fichiers .cs, c'est. J'ai dit que notre Xamarin est une plateforme qui utilise le framework .NET.
et qui utilise aussi le langage C#. Donc ici, nous utilisons le C#, donc l'extension d'où, l'extension, pardon, .cs. Mon fichier prend du temps à démarrer. Allez, voilà, il s'ouvre. Ça ressemble un peu à du XML. Quelqu'un connaît près du XML, ça ressemble à du XML, il n'y a rien d'intéressant. Nous voyons que c'est du XML, en tout cas. Mais si j'ouvre le fichier .cs, regardez, ça c'est du code pur. Donc, que du code. Donc, je ne vous demande aujourd'hui, je ne vais pas expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est que cette ligne veut dire, etc. Je vous montre juste la structure du projet. Allez. Je relance. Je lance, voilà. Il dit « build started », donc ça commence à compiler. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe sur notre téléphone. Je vais voir qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone. Ah, bon, je déverrouille. Je vais mettre mon code en ligne. Hein. Je vais mettre mon doigt. Oh, 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 il ne veut pas prendre. Et donc, c'est pas bon, c'est pas important. Voilà. Voyons qu'est-ce qui va se passer une fois que ça aura fini de compiler. Vous voyez, là, il est en train de compiler, donc ça passe. C'est en train de compiler. Et donc, Xamarin, c'est vraiment très facile. Vous écrivez vos interfaces conviviales en XAML, c'est-à-dire presque du XML, très facile à utiliser. Donc, si vous connaissez du XML, vous allez voir que c'est très facile. Donc, pas besoin de... Oh non, non, ne pars pas. Voilà. Alors, pas besoin d'utiliser... du code. Vous pouvez aussi utiliser du code pour faire vos interfaces graphiques, par exemple des interfaces très compliquées. Là, vous pouvez utiliser du code. Mais le XAML est très souple et facile à écrire. Donc, si vous voulez faire votre petite application, vous pouvez utiliser. Vous pouvez directement utiliser le XAML très facilement là et vous faites votre application. Et moi, j'écris tout. Ça m'arrive aussi de le faire avec. Avec du code C#, mais pas trop souvent. Pas trop souvent, je l'avoue. Pas trop souvent, donc je suis plus XAML que code dur. Donc, mais ça arrive, ça arrive. Quand vous voyez, vous vous retrouvez sur des interfaces très compliquées et vous vous dites que vous êtes obligé d'utiliser du C# pour écrire votre interface. Et donc, c'est comme ça. Alors, voilà. Pour la première fois, ça prend un peu de temps, mais pas plus de 5, voilà. Déjà là, c'est déjà bon. Vous voyez, là, c'est déjà bon. Il a fini de compiler, ça, c'est déjà bon. Alors, il avance. Voilà, il a fini presque. Il est en train de faire « Deploy to Samsung ». Donc, il est en train de déployer sur mon téléphone. Le déploiement est déjà en train de se faire. Voilà. Donc, il faut quand même être patient la première fois. Il ne faut pas dire... D'accord. Voilà. Un peu de patience. Là, je pense que c'est déjà bon. Je suis quand même patient. Mais je vous présenterai qu'est-ce que c'est les autres reloads de plus côté code. Voilà. Aussi. Donc, ouais. Automatiquement, sur mon téléphone, je vois qu'il lance. Ouais, il dit « XAML autre reload ». Initialise une première application Xamarin Forms. Il dit hello to Xamarin Forms et voilà, welcome to Xamarin Forms. Donc, voyons un peu si nous essayons de changer cette interface graphique. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, je cherche cette interface, je sais que c'est ici. Bon, voilà, je vais vous montrer ça. Regardez, si on compare, on voit qu'on est bien là. Alors, on est là. Welcome to Xamarin Forms. Oh! Bon, mon téléphone va toujours en background. Donc, je ne clique pas. Welcome to Xamarin Forms. Donc, on est là. Donc, imaginez-vous que je veux changer ça. Je vais dire... Je vais changer ça. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais dire... Getting started with Xamarin. Oh, pardon. Xamarin. Voilà. Alors... Avant, je mets mon téléphone là. Oh, il s'est verrouillé, excusez-moi. Voilà, je suis là.
et toujours avec l'IEL. Alors, le haut trilode est devenu encore plus performant que je le pensais. Donc, c'est automatiquement. Donc, vous pouvez changer votre interface comme vous voulez. Si vous voulez, vous mettez du rouge, du vert, du noir, par exemple, je vais dire color. Alors, text color, voilà. Je vais dire red pour que on voit ça. Je fais contrôler. Voilà, automatiquement, il prend la couleur rouge. Donc, Xamarin est une plateforme très très facile à utiliser et facile à apprendre. Donc, je vous la conseille, même si c'est pas tout le monde qui fait du Xamarin, mais le Xamarin est vraiment fait pour vous. Et donc, pour finir, je ne vais pas dépasser le temps. J'aimerais répondre à quelques questions-réponses, si c'est possible. Je vais jeter un coup d'œil à la page, bien sûr. Là, je vais voir si on peut répondre à quelques questions. Voilà, je vois que Albert dit merci, Erdi. Merci beaucoup, Albert. Merci à toi. Nathan Pizzi, frère. Ok. Oh, Xamarin. Oh, Albert, welcome to Xamarin. On t'attend avec impatience. Et donc, on a aussi World Marriage, ma vie. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Tu peux m'expliquer sur la façon de connecter sur la... tu peux expliquer sur la façon de connecter mon visuel. Connecter, je suppose qu'il parle de la petite app. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, j'ai mon téléphone. La première des choses que vous faites, c'est ouvrir les paramètres. Vous ouvrez votre les paramètres. Commencez d'abord par activer... Je vais mettre ça en plein écran, pardon. Alors, vous commencez par ouvrir vos paramètres. Vous allez dans à propos du téléphone. Donc, il faut d'abord activer le mode développeur. Alors, information sur les logiciels. Alors, vous allez cliquer plusieurs fois sur le numéro de version. Alors, cliquez plusieurs fois, vous allez voir que moi déjà on dit Unity, le mode développeur est déjà activé. Vous allez voir qu'on va vous dire vous rentrez encore dans le paramètre, vous verrez un menu apparaître, option de développement. Vous entrez. Alors, tu vas aller activer le mode débogage USB. Tu l'actives. On va te demander, par exemple, si je le désactive, mon téléphone disparaît. Donc, je suis obligé de le réactiver et de relancer ma petite application. Voilà. Donc, il faut toujours activer le débogage de votre le mode débogage pour pouvoir connecter avec un câble USB, tout simplement. Donc, juste avec votre câble USB, après avoir activé le mode débogage, vous venez vous lancer la petite application qui s'appelle SCR. Pi, je pense, parce qu'elle est écrite en Python. Après, donc vous lancez soit en console, soit sans console. Moi, je préfère sans console. La console vient m'embrouiller. Et donc, voilà. Donc, j'ai désactivé le mode débogage. Il est en train de vouloir me dire de connecter. Voilà. Et puis, vous lancez SRC. Automatiquement, votre téléphone va se lancer. Et donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas que non, je dois faire quelque chose comme ça. Mais j'espère que j'ai...